Go. Go. OK, aujourd'hui, j'ai un caméraman. J'en profite pour vous montrer moi et le Lila à côté de moi. Je suis un petit peu à dernière minute pour la saison, mais il reste encore des beaux lilas dans mon coin. Alors, vous pouvez prendre le lila comme une recette que j'ai envoyée sur mon Facebook, faire un vin. Faire un vin de lilas, c'est excellent. Si vous les prenez comme ça, vous allez voir, c'est un petit peu amer, l'amertume. L'idéal, ça serait de les tremper dans le sucre. On peut en faire aussi des élixirs fleuraux. Il doit avoir un petit côté médicinal, mais un vin de lilas, c'est bien. Et dommage que je ne chante pas beaucoup, mais j'aime bien la chanson « Le poinçonneur des lilas » et d'autres chansons sur le lilas. C'est... toutes les couleurs sont bonnes à manger, là, des foncés ou plus pâles, mais c'est surtout ça sent bon. C'était le lilas.